Sandrine. Bonjour Anne-Line. Alors aujourd'hui, c'est un berger allemand. Ouais, aujourd'hui c'est un beau berger allemand de 8 ans. Oui. Qui s'appelle, qu'on a surnommé Aramis. D'accord. Mousquetaire. Ah oui. C'est un loulou qui est magnifique. C'est vraiment un beau berger allemand il et il a une beau. Histoire assez triste en fait. C'est une réquisition de 30 millions d'amis. D'accord. Donc, il a été amené au refuge Montipère. Par 30 millions d'amis et on connaît pas trop le contexte du retrait et tout, mais apparemment c'était un cas de maltraitance assez important. Assez important. C'est très bien, non, d'accord. Et voilà, donc il était en réquisition chez nous et là il passe à l'adoption. Oui. Et on aimerait lui trouver des bons maîtres assez rapidement. D'accord. Étant donné qu'en plus il supporte mal la cage. Oui, l'enfermement. Il est arrivé et je pense qu'il a encore maigri. Il n'est pas très très gros. Hein. Là, on a fait des photos, mais je ne sais pas si à la vidéo on le voit bien. Donc là, il a effectivement, on lui voit bien les côtes. Et... oui. C'était deux en fait. C'était un retrait de deux chiens. Oui. Lui et Dino. Et donc voilà. Il voit son pote, donc il est un peu intrigué, veut jouer. Mais sinon, c'est un chien qui est attentif à l'homme, qui cherche les caresses. D'accord. Voilà, quoi. C'est un bon loulou, quoi. C'est un bon loulou. D'accord. Donc, 8 ans, hein. Ouais, 8 ans, ouais. Mm-hmm. Donc, encore de belles années devant lui. Ben ouais, surtout qu'il marche plutôt bien. Voilà, tout, au quoi, niveau santé, il est... Il est parfait, hein, apparemment. Hein, il a ouais. Pas de soucis. Je veux aller jouer. Ouais. Alors, au niveau de l'entente avec les femelles, avec ses congénères femelles. Avec ses congénères femelles, c'est bon. Voilà. Avec ses congénères mâles, a priori, ils vivaient donc avec Dino, mais on ne oui. sait pas dans quel contexte et tout. S'ils étaient tous les deux à la tâche, s'ils étaient lâchés. D'accord. Donc, de façon générale, on privilégie. Les congénères femelles. D'accord. C'est pas mal de croisés. D'accord. Oui. Donc voilà. L'entente contre, sera bonne. D'accord. Je pense pas qu'ils soient castrés. D'accord. Bon. Et avec les chats, le test n'a pas été réalisé. Hein. Donc non. Là, on n'a pas vraiment d'informations sur son entente avec les chats. Hein. Non, les chats, c'est pas trop. On fera Oui, 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 oui. On le fera avant placement pour. Si une famille est intéressée, surtout cas, que ce ne soit pas un frein. Hein. C'est un magnifique berger. Il est très très beau. C'est un loulou qui cherche les caresses. Enfin, voilà. Quoi, oui, oui. Il est magnifique. C'est un berger qui a plein de qualités. Alors, on ne connaît pas son passé, donc. Oui. Ouais. Mais en tout cas, affectueux, joueur. Il est encore bien dynamique. Oui, oui, absolument. Alors, juste petite précision, ça c'est important. On remarque tous les chiens que l'on propose à l'adoption ne sont pas faits pour faire de la sécurité. Ce ne sont pas des chiens de travail. Hein. C'est ça, sûr. Voilà. Ils ont déjà un passé voilà. difficile. Voilà. Donc, tout ce qu'on veut, c'est une bonne famille, une vie de chien tranquille. Ouais. Mais voilà, pour absolument. Donc là, on va voir Dino qui s'approche, son copain. Voilà, coucou Dino, qu'on va présenter dans quelques minutes. D'accord. Bon, et ben merci beaucoup Sandrine.